Alors, je sens bien que ma vidéo sur les HP ne vous a pas convaincu. D'abord, c'est pas parce qu'on fait une vidéo sur les hauts potentiels qu'on en est un ou une. Et puis bon, la définition est toujours introuvable parce qu'en fait, elle n'existe pas. Il faut savoir que là où une définition est absente et n'existe pas, le merveilleux n'est pas loin, ou le catastrophique, c'est au choix, l'un étant toujours très proche de l'autre, tout dépend comment ça finit. Donc, pour essayer de préciser un petit peu mieux comment, qui sont les HP, oui, parce que les pieds sont très intelligents, donc autant mieux regarder des pieds que peut-être d'HP. Non, un HP ne boit pas. Non, il n'a pas d'accoutumance aucune. Il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas bu, il n'a pas fumé, il n'a pas aimé, il n'aime pas, il n'est pas passionné, non. Tout cela lui est étranger, il est une pure intelligence. Il est un petit peu comme les pieds, on lui dit de faire un pas. Non, non, évidemment. Évidemment que c'est pas comme ça que ça marche. Le haut potentiel est un hypersensible qui adore abuser de substances licites car elles n'ont aucune raison de ne pas l'être. Donc, qu'il s'agisse de lecture, de musique ou d'autres choses, toutes choses autorisées ou qu'il ne l'est pas, bien pas, on n'est pas pris, c'est toujours autorisé. Évidemment, tout cela n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, surtout pas au pied de la lettre. Le HP est absolument sain d'esprit et de corps. Bon, d'accord, il a comme tout le monde ses petits travers. Il a sa queue d'anguille qui l'interroge matin, soir, surtout la nuit. La queue d'anguille. Alors il faut expliquer au grand philosophe Onfray, qui en a fait un livre noir, que la queue de l'anguille, c'est ce que Freud a expliqué comme étant l'inconscient. Comme dirait Lacan, ben, le nom est choisi, il n'y a plus à y revenir. Mais bon, on pourrait toujours y revenir, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire que ça n'existe pas. Enfin, en même temps, tout le monde est autorisé à dire ce qu'il veut, surtout quand il n'est pas HP. Bon, ceci étant fait, et ceci étant dit, voilà, un HP peut être aussi absolument lamentable, minable. Carpette, monter ses pieds, en disant oui, mais alors le pied, c'est quoi? C'est Oedipus. Non, non, je montre mes pieds simplement, voilà, parce que j'ai pas envie de montrer ma tête. Mais c'est quoi un HP? Vous avez toujours pas compris ce que c'est qu'un HP. C'est normal. C'est normal, parce qu'en fait, il y a deux sortes de personnes, celles que vous adorez et celles que vous détestez. En dehors de cela, il y a celle que vous aimez, mais celle que vous adorez passionnément et celle que vous détestez tout autant passionnément. Parmi ces deux catégories-là bien spécifiques, interrogez-vous. Là, peut-être, on approchera le bout de l'ongle du pied du haut potentiel. Et pourquoi ces vidéos? Parce que notre monde irait mieux si au lieu de se demander ce qu'est un haut potentiel, les hauts potentiels pouvaient faire en sorte que le monde aille mieux. Mais pourquoi serait-il chargé d'un tel fardeau? Il vaut mieux écouter de la musique.